Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, bon, bah, moi ça va plutôt bien, puisque aujourd'hui on se retrouve pour un épisode bonus. Hein. Attention, je vous parle en off, sachez-le. Un épisode bonus parce que, non pas que j'ai voulu redonner une nouvelle chance à cette série, bien au contraire, mais j'ai quand même voulu aller voir l'Eden, puisque vous m'avez expliqué pourquoi le portail de l'Eden ne fonctionnait pas. Donc, dans un premier temps, je suis reparti chercher mon stuff, j'ai quand même voulu faire ça de manière legit, et je me suis dit... Eh ben on va se venger, tout simplement. Je me suis dit on va se venger des méchants, et ça m'a réconforté dans l'idée que ce modpack est beaucoup trop gourmand. Et malheureusement, voilà, merci beaucoup pour votre compréhension, pour vos commentaires, etc. sur la dernière vidéo. Mais voilà, c'est, il y a beaucoup trop de rollback. Alors là, vous voyez, j'affronte ce zombie qui se TP, les flèches ne partent pas. Ça va être bien pire après. Voilà, là c'est pareil dans le vent et paf, le zombie qui apparaît. Ah voilà, c'est formidable. Et c'est pareil pour tous les monstres d'après, hein. Donc là tu sais pas, à tout moment je peux partir en feu, là j'ai eu de la chance. C'est comme ça que j'étais mort, hein, dans la dernière vidéo, hein, de toute façon. Donc là c'est pareil, là regardez le screamer qui se téléporte, etc. Donc tant bien que mal je vais réussir à me le faire. Et puis ça va être pareil quand je vais manger mes pommes de terre, les rollbacks, enfin c'est assez terrible. Donc encore une fois c'est pas une histoire du PC puisque vous voyez que le jeu est fluide. C'est juste que le modpack est trop gourmand et donc ça crée des rollbacks et c'est comme ça. Malheureusement, c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc bref, ceci étant dit, ceci étant fait, j'avais vraiment tout ce qu'il me fallait encore dans les coffres. Donc j'ai vraiment de la chance. Je remercie Red sur Discord qui m'a du coup expliqué que je m'étais trompé de bloc. Trop compliqué, hein. Clairement, entre l'anglais et le français, cuivre, taillé, ciré. Allez, encore un rollback, les blocs réapparaissent, enfin, c'est un scandale. Bref, donc une fois que les blocs ont été bien remis correctement, et bah, le portail fonctionne. Attention, j'active avec le briquet, voilà, toc, paf. Je veux rentrer dedans, ça ne fonctionne pas pendant au moins une minute. Des freezes comme je n'ai jamais eu, mais c'est pas bien grave puisque au bout du compte, En réessayant, eh bien ça fonctionne. Et bienvenue dans l'Eden, la dimension du ciel. Une dimension qui est, vous allez voir, assez pauvre et assez nulle en fin de compte, donc ça tombe bien. Mais il n'empêche qu'elle est très intéressante. Enfin non, du coup elle est pas intéressante. Elle est par contre très jolie et il y a des fonctionnalités assez rigolotes. Alors, par exemple, vous voyez les champignons, bah, ça ne sert à rien. Voilà, la majorité des choses que vous trouverez ne sert à rien. Mais il y a un truc très intéressant, mis à part le fait que c'est relativement joli et que vous savez que j'aime bien l'astronomie, j'aime bien l'espace. Mais plus tu montes haut et plus la gravité disparaît. Je m'en suis rendu compte, je comprenais pas parce que vous savez, quand je fais les double jumps, eh ben, je prends des dégâts de chute, hein, quand je redescends de bien haut. Et en plus de ça, je peux pas non plus aller très très haut. Bah là, regardez comme je monte vite. Voilà, en double jump, là, je me rends compte, mais c'est très bizarre. Je vais super haut, je descends super lentement, et je me prends pas de dégâts. Et c'est là que je comprends, évidemment, que bah, la gravité, tout simplement. Plus tu vas haut, et moins il y a de gravité, plus tu vas dans l'espace. En tout cas, dans le jeu, c'est comme ça, dans la dimension de l'Eden. Donc, super sympa. Donc, regardez, je fais un jump de l'espace pour aller d'une île à l'autre. Quelque chose que tu peux pas faire en temps normal. Et je me suis tellement enflammé que... j'avais oublié le principe et donc j'ai continué en allant plus bas. Sauf que ben, plus tu vas bas et plus tu es attiré par la gravité. J'avais complètement oublié, regardez. Ce qui va se passer c'est que je vais beaucoup moins loin et je tombe de plus en plus vite. Eh oui, et ben là, et puis surtout, hop là, failli mourir. Eh oui, retour des dégâts de chute. Et là je me suis dit, ah oui c'est vrai. Donc voilà, c'est assez intéressant à ce niveau là. C'est que plus t'es haut et moins il y a de gravité. Bon. Bah voilà, c'est le seul truc en tout cas que j'ai trouvé intéressant. Et puis voilà, le fait qu'il y ait des planètes, c'est magnifique. Bon, dans ce cas-là, moi je joue à Planet Crafter, c'est très très bien. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je refasse des vidéos ou des lives sur Planet Crafter? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sachez que j'aime bien ce jeu. J'y joue plus trop en ce moment, mais j'ai beaucoup avancé. Et je me suis dit pourquoi pas faire des lives et recommencer à zéro. Bon, voilà, ça c'est la petite parenthèse. Est-ce que ça vous intéresse ou non, vous me dites. Bon. Ceci étant dit, ceci étant fait, voilà, on se balade. Il y a quelques biomes, j'imagine. Voilà, il y a des boules. J'imagine qu'il y a des choses que j'ai pas encore vues. Bon bah il n'empêche que voilà, c'est une petite dimension bien sympa qu'il fallait aller voir. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des monstres, il y a des petites créatures qui volent mais c'est pas des méchants. Donc pas grand chose à faire, après c'est l'Eden, hein, on va dire c'est le paradis donc c'est bien sympa. Mais voilà, il fallait aller vérifier ça. Ceci étant, bah je suis vraiment désolé que ça se soit arrêté comme ça. Je me suis quand même dit que je ferais une petite vidéo bonus pour quand même bien conclure le truc. Parce que c'est vrai que bah, dans la dernière épisode j'étais vraiment blasé, hein. Même dès le début de la vidéo ça se ressent que je suis un peu blasé. Sans pour autant trop le montrer. Mais à la fin j'ai complètement rage quitté. Bon, je me suis déjà justifié. Vous avez tout devant vous. Vous savez très bien, voilà, ça sert à rien. On peut pas continuer. Et encore une fois, merci beaucoup pour vos commentaires. Vous êtes vraiment
Mais des amours quoi, vous êtes vraiment des amours. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc voilà, est-ce qu'il y aura encore du Minecraft par la suite? Oui, probablement, mais ce sera pas sous la même forme. Ce sera beaucoup moins régulier que cette série. Mais voilà, peut-être refaire des lives sur Minecraft. Voilà, en tout cas, je veux pas trop m'engager. Dans tous les cas, je vais reprendre les lives la semaine prochaine. Mais je veux pas trop m'engager parce que j'ai pas envie de vous décevoir. Plus que j'ai pu peut-être vous décevoir. En tout cas, voilà, merci à vous les amis. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et franchement, on s'éclate sur YouTube, c'est l'essentiel. Ciao tout le monde !